Dans la vidéo que vous allez suivre, le gentil youtubeur Seros a malencontreusement perdu les rushs sonores du jeu vidéo. De ce fait, l'intégralité de cette vidéo sera bruitée à la bouche. Désolé d'avance. La dernière fois, nous étions arrivés dans l'hôpital et nous essayons de retrouver la clé du docteur pour ouvrir le coffre dans son bureau. Cependant, il est mort et il a été emmené au cimetière. Du coup, je vais devoir retraverser tout l'hôpital, sortir d'ici, récupérer la clé sur son corps gisant dans le cimetière et revenir dans cet hôpital. Ça va être génial. Non, c'est moi, tu vas pas jouer à ta déception! Je me suis fait bouler là! Donc du coup, en fait, j'ai l'impression que les monstres ont sont réapparus tous, en fait, dans... Yo, c'est... Franche la gueule! Mais sérieusement? Genre, j'ai gaspillé toutes mes balles juste pour sortir de l'hôpital. Ok, bon, maintenant nous sommes à l'extérieur. C'est pas forcément un endroit magnifique et fantastique, hein, comme vous pouvez le voir. Et le cimetière, en fait, n'est pas très long. Il suffit que juste que je suive le chemin à droite et je tourne à gauche deux fois. Ok, nickel, nickel, nice, 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 nice. Genre, là où je suis, je n'ai aucun ennemi. Vas-y, il est où, Seros? Ta gueule! Non mais j'ai dit que j'avais aucun ennemi, mais il me répond, t'as vu, mais... Le jeu n'est pas super long, de ce qu'on peut voir. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs en fait que vous êtes beaucoup à avoir apprécié le premier épisode. Vous étiez très nombreux à nous rejoindre et à laisser des pouces bleus, à mettre des gentils commentaires, etc. Ça fait plaisir. En vrai, ça fait super plaisir. Je dois sauver ma petite sœur au même temps, en passage, hein. C'est le but même de cette histoire, hein. Y a pas idée de se balader dans un cimetière, même si c'est la journée, tu vois. Heureusement que c'est la journée en plus, vous imaginez qu'un brouillard aussi pesant. Nous avons une date là-bas qui est écrit 91, nous sommes en 91, donc ça peut être, ça peut pas être Linda, tu vois. Mais regardez-lui, Daniel Payne par exemple. Daniel Payne. Ah, on dirait qu'il a été enterré ici. Merde, je dois le déterrer, besoin de chercher une pelle. Ok, super, j'ai trouvé. Super, j'ai trouvé. Is that a red balloon? Arc-en-ciel avec un diamant vert, avec une émeraude plutôt. Une couleur verte tout simplement. Le clown il est là. Eh ben bienvenue dans mon piège, hein. Là je vais te défoncer. Arc-en-ciel, triangle, rond et je sais pas quoi, ok. Voilà, ok. Le cimetière est assez grand. Ok, le rond. En plus, j'ai un problème, j'ai une Ça c'est le rond. Rond jaune. Mais je vais te trouver, hein. Ok, je peux y aller en courant, le mec il me repère pas, tu vois. Et alors, le mec il te repère pas. C'est pas comme le mode de jeu de tout à l'heure où il était en train de me poursuivre. Triangle bleu. Rond jaune, triangle bleu. Bon, t'es où là? Tu veux pas te faire. Rond jaune, triangle bleu. Je me fais chier un peu. Arc-en-ciel vert. Rond jaune, triangle bleu, arc-en-ciel vert. Rond jaune, triangle bleu, arc-en-ciel vert. J'ai un certain code d'honneur. Rond bleu. Je pense pas que arc-en-ciel vert. Triangle bleu. Fuck! J'ai déjà oublié. Et d'ailleurs, ça marche depuis très longtemps. Et... Ah bah voilà, je te vois, attends, j'arrive. Arc-en-ciel vert! Il est derrière moi! Je suis derrière toi. Tout! J'ai pas peur. Arc-en-ciel vert! Arc-en-ciel vert! I'm not a puppy! You're a puppy! I'm not a puppy! Arc-en-ciel vert! Rond jaune! Qui est nu dans l'herbe, c'est plutôt doux, hein. Ah! Arc-en-ciel vert, rond jaune! Et morpion rouge. Ça me détend, ouais, ça me détend. Bon, j'arrive et je pense que je... Morpion, c'est rouge. Arc-en-ciel, c'est vert. Je remets mes chaussures. Oh boy. Je vais te mettre une rouste. Ça semble marcher. Oui. Comment j'ai géré? Je dis à pompe. Et let's go pour l'appel. Et c'est parti, on va donc fouiller une tombe. Pourquoi la clé? Après, par contre, pourquoi la clé? Oh non, c'est des aliens! Wow! C'est quoi cette arnaque là? Non! Mon dieu! Laisse-moi tranquille! Je souffre! Tiens, vas-y, t'es coup de queue! M'a donné un coup de queue! Viens là! C'est bon! Par contre, il devrait avoir un devant la porte, puisque je l'ai laissé là la dernière fois. Il doit être pas de loin. Ok, il est là. Regarde, il me regarde là. Il me regarde. Pop! Tu peux pas jouer à Monstrum! Monstrum! Tu peux pas jouer à Monstrum! Oh,
Ok, 3. Ouh, un pistolet à injection. Ok. Et la carte. Peut-être que ce médicament aidera Lily. Besoin de trouver le bureau du médecin-chef. Ah, ok, c'est bon. Lily, c'est moi. Je vais te soigner, Lily. Cela ne sauvera pas. Tu ne fais que prolonger les tourments de ta sœur. Son esprit est complètement entre mes mains. Mon Dieu. Je la tuerai et ensuite je sortirai dans votre monde. Ne manquez pas ce spectacle. Nous vous attendrons au Death Park. Tu te souviens où c'est, n'est-ce pas? Bon, si tu te rappelles pas où c'est. Bon, tu prends la rue Pinchot. Ok, tu tournes à côté de la boulangerie Pichon. Tu sais, le Pichon, le fils de... C'est tout droit. Ok. Et quelqu'un? Ouh, les pompiers! Oh mon Dieu, c'est un truc qui va exploser, ça, par contre, non? Bon, par contre, je peux utiliser le tuyau. J'ai le tuyau d'incendie. Probablement que je peux le mettre... appliquer une pression maximale pour commencer à éteindre. Il semble qu'il n'y ait pas d'eau. Ah, je sais. Voilà. Ah ouais! T'as cru quoi, là? Je m'appelle Timothée, mais je sais éteindre les feux de forêt! T'es debout sur le tuyau, Timothée. Tu vas avoir des problèmes, je pense. Dirigez au Death Park pour sauver votre sœur. Bah voilà. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. C'est notre ville! Il n'y a pas de place pour les militaires. Le verrou ne peut pas être brisé, on dirait que nous avons besoin de quelqu'un avec un accès depuis la base militaire. Oh là là, un rassemblement dans toute la ville est annoncé aujourd'hui à 19h sur la place principale. Ah, bah c'est un peu haut quand même, hein. Ah, je dois le suivre. Moi je tire dessus, tu sais, comme un bourrin, tu vois. Farland City Sewer. Ça va, ça a pas l'air d'être ultra compliqué, hein. On dirait que l'égout de la ville va jusqu'à la base militaire. D'accord, donc je vais passer par là pour aller à l'égout, pour aller à la base militaire. Donc du coup, je suis où concrètement, moi? Ah, je suis là, en fait. D'accord. Il suffit juste que j'évite ce labyrinthe. Alors, je pense que tous ces endroits-là, ça va être forcément bloqué, tu vois. Regarde-moi, pourquoi autant de détours et de... Pourquoi? Pourquoi, hein? Oh mon Dieu, c'est long, en fait. Eh, le ballon, il est là. Oh mon Dieu, je vais devoir courir en rond, c'est ça? Ça va devenir Dark Deception? Ah, mais bien sûr. Ah mais bien sûr, c'est verrouillé. Cette fois-ci, je te pécho, d'accord? Sois sympa. Eh, hey, je suis pas là, hein. Ok, je me sens menacé. C'est parce que j'ai des problèmes de vue. D'un coup, comme ça, là. J'ai perdu mes lentilles de contact. Bon, t'es où, là? Ah, bah voilà, viens là. Pardon. Ne bouge pas. Excusez-moi. Ok, d'accord, je sais exactement où je dois aller. Le problème, c'est que je ne peux pas y aller, ok? C'est con, mais je suis paumé. Est-ce qu'il y a... Qui construit ces égouts? Ah, j'entends un bruit, là. Trouvé! Ah là, mon Dieu, Seigneur! Ok. L'odeur est pas ouf ici en vrai. Enfin, je sais pas, c'est faux. Ah bah t'es là, viens là! Je fais comment? Allez, vas-y. Mais t'es où? Il doit y avoir un autre endroit où il y a une autre manivelle qui va ouvrir cette porte, tu vois. Oh boy. J'ai pas le temps en fait, il faut que je cours très très vite parce que cette porte se referme toute seule, c'est ça? T'es où? Ah oui, regarde, ça se referme. Reste pas seul, j'ai des problèmes. C'est bon, je suis passé. Ouais, mais voilà. Mais aussi, tu cheats. Moi aussi, je pourrais courir si je chaussais pas du 60, tu vois. Tu sais quoi, ta sœur, je vais la tartiner. Voilà, ça m'énerve. Tu sais quoi, je me casse. Quelle horrible bestiole. Je dois marcher dans l'eau, là. You. Là, je mange dans du jus de caca, hein. Ouh, bah dis donc, ici, ça a l'air d'être... J'ai l'air d'être un autre jeu, carrément. Base militaire, fusil à pompe... Là, si j'avais oublié que je jouais Timothée, en fait, j'aurais cru que c'était Doom, hein. Oh non! Œuvre d'art contemporain, non? Ah, oh, oh. Bordel! Mais j'ai cru qu'il était devant moi! Bébé, je voudrais qu'on parle de... Le jeu m'a menti! S'il rentre là-dedans, je suis mort! C'est un truc que je veux te dire. Il rentre pas, il est trop gros! C'est compliqué. Eh, oh, hey, t'es trop gros! Maman. Hey! Hey, c'est la dèche! Bébête! Vas-y, casse-toi! C'est bien! Hey! Alors comment je suis. Oh! J'ai trouvé un railgun! Utilisé avec précaution, fonctionne avec toutes les dimensions, portée de tir illimité, rayon des dégâts 5 mètres. Ok, donc là j'ai un railgun! Ça va? Je te vois, monsieur! Tu as fait toutes ces atrocités pendant toutes ces années! Ok, ça va. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez du premier épisode que j'avais fait sur Death Park. Voilà, ticket d'entrée.
Alors dans le premier Death Park, du coup, c'était le layout du parc était exactement comme celui-là. Il y avait même une petite rivière à un moment donné, tu pouvais traverser. Non, Brutus, non, c'est pas ton moment, Brutus. Arrête, Brutus, tu vas avoir mal. Je t'avais prévenu, Brutus, hein. Oh, c'est quoi? Des engrenages? Ok, un ballon. Cela s'est avéré encore mieux que je le pensais. Vous avez démarré le train, ce qui signifie que vous allez tuer vous-même votre sœur. Fier de toi? Chio. En effet, grâce à mon plan machiavélique, je l'ai disposé en plein milieu de ce rail. À moins, bien sûr, que tu bidouilles l'aiguillage que j'ai laissé en plein milieu, là. J'avais pas changé de voix, déjà? Après, tu vas pas le faire, hein. Ok, d'accord, c'est là-bas qu'il faut changer la voix. Ah, je dois faire... Ok, d'accord, je dois mettre des engrenages. Concentre-toi sur moi. Non. Regarde-moi. Ouais. Non, oui. Train, non. Non, mais ouais. On peut discuter en attendant. Oui. Non, voilà. Pas ça, s'il te plaît. Non, appuie pas sur la manivelle. Yes! T'as cru quoi, là? T'as cru que le Seros, il savait pas faire des engrenages? Chou-chou. J'ai fait des engrenages toute ma vie de gamer, ok? Mais voilà aussi, mais j'avais tout prêt. Il y avait... Pourquoi? Qui c'est qui a mis une manive? Ah! Tu sais quoi? Viens, vas-y, viens. Je vais te prendre, je te défonce. Voilà. T'as cru quoi? Je vais te défoncer. Tu verras. Oh mon dieu. Mais c'est insane. Ah ouais, d'accord, je vois. Il va m'envoyer des monstres pour m'empêcher de lui tirer dessus, tu vois. C'est bon, et le clown. Oui. Bon gars. Raté, merde. Je vais te montrer de quel bois. Aouh, ça fait mal, c'était ma tête, ça. Ok. Voilà. Non mais oh. Pikaï. Je reviendrai si les gens mettent des commentaires dans cette vidéo. Eh ben voilà. Charlie et Lily se sont échappés de la ville et ont été à la frontière de la zone d'évacuation. Grâce au courage de Charlie, les tours de protection étaient activées, ce qui a empêché de nouveaux monstres d'entrer dans notre monde. Je pense que j'ai la bonne fin, les gens. Le projet Dreamcatcher 2.0 a été fermé et Farland est revenu à une vie normale. Toutes nos félicitations, j'espère que vous aimerez notre troisième jeu. Veuillez noter. Oh, c'est mignon. Ils vont faire un troisième jeu, du coup, par rapport à ça. Bref, en tout cas, j'espère. Alors, sauver ma sœur, vaincre le coup, activer les tours de protection. J'ai fait tous les objectifs disponibles dans ce jeu. C'était plutôt sympa. J'ai bonne face 1 sur 8. Non. Je sais ce que vous allez dire. Mais non. À moins que cette vidéo fasse 20 000 pouces bleus. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Donc du coup, voilà. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour participer au concours Instant Gaming. C'est un concours qui se déroule une fois par mois sur la chaîne, qui vous permet donc de gagner un jeu, le jeu de votre choix. Et c'est plutôt sympa. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, les amis. Bye. En vrai, c'est pas un métier facile, hein, Claude. Hein. Moi, à la base, je voulais être dentiste. Et là, en ce moment, avec le confinement, je me fais entre 3 000 euros et 4 000 euros. Ok, ça va.